Gars, regardez ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que c'est un piège, hein, de l'ego. Regardez. On met la personne ici. Quand c'est d'un. On regarde la personne, il fixe des yeux. Et paf! Là, ça va faire mal. Ah! Ah! Je suis enfermé. Voilà. Troisième piège. Regardez. L'autre va tomber sur ses pics, sur ses picots. Voilà. Comme ça, sur ses picots. Ah! Comme ça, il a mal. Je suis sur des picots. Il est mort. Paf! Il s'est fait piquer par des picots. Voilà, les pics, on peut dire. Troisième piège. Celui qui jette les cailloux sur l'autre. Par exemple, ça. Ou ça. Ou ça. Il jette n'importe quoi dessus. Et ça lui fait mal à la tête. Il n'arrive même pas à monter. Donc voilà, c'est ça. Piège 4. Attention. La tête en l'air. Ça risque de tomber dans les pics. Paf! On vomit, on meurt. Le cinquième piège. Alors, où c'est? Alors, on marche tout doucement, paf! Dans le vide. Et quand c'est la deuxième personne, on marche tout doucement, paf! Ça s'est tombé. On y va. Paf. Attention, ça tombe. C'est fragile. Quand soudain, c'est comme le chat là. Le chat Mario Kart. Mario chat. Quand soudain, paf. Dans le vide. Quand soudain, quand soudain, lui, c'est dur. À cause de son porte-clés. Et donc, ah! Et voilà. Tombé. Sixième niveau. Quelqu'un qui y va, qui rentre, qui coince la tête. Attendez. Qui coince la tête. Et quand soudain, qu'est-ce qui va se passer? Paf! Un coup dans le mille. Ah! Un coup dans le mille, voilà. Tiens, niveau! Alors, lui, c'est compliqué. Regardez sa chute. Comment il est? Eh ben, regardez, qu'est-ce qui va arriver à lui? Voilà.